Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée, Une star, une histoire. Ce soir, nous recevons la star des guerriers. Elvis, inspiration divine, est avec nous ce soir. Asseyez-vous confortablement et suivez l'histoire du guerrier étoilé. Bonsoir Elvis, comment tu vas? Bonsoir. Ça va? Dieu fait grâce à moi. Inspiration divine, tu es en blanc. Oui. Ça parle de la pureté. Tu as tout dit. C'est ça, non? Moi, je connais les choses. Tu n'as pas besoin de parler. Quand je vois, je sais. Non, quand tu vois, tu sais vraiment. Alors, comment tu vas? Ça va bien? Dieu fait grâce à moi. Ça va, la santé, oui. La famille, tout sans le monde problème, va bien. Ça va. C'est un plaisir de te recevoir ici, ce soir, sur mon plateau. Moi, je ne reçois que des stars. Donc, si tu es là, c'est que tu es une star. Ou bien? C'est réciproque. Hein. C'est ça. Voilà. C'est un plaisir pour moi aussi d'être aussi dans l'émission. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être venu. Alors, ce soir, nous voulons savoir le parcours de Elvis Inspiration Divine. Est-ce que depuis petit, tu as aimé la musique? Papa, maman était artiste. Comment tu as connu la musique en tant que tel? Comment tu as décidé de te lancer dans la carrière musicale que tu fais actuellement? Ok. Merci beaucoup pour cette question. Faut dire que Elvis, d'abord, c'est un vrai villageois. Hein? Voilà. Elvis, elle est née au village. Et depuis tout petit, depuis le corps primaire, j'avais cette facilité d'improviser étant au village, depuis le corps primaire. Et il faut dire que Elvis, il a des parents d'abord qui sont chanteurs. Ma grand-mère fut une grande chanteuse. Donc, c'est inné, c'est dans la famille. D'accord, donc c'est depuis la base. Depuis le bas âge. C'est la base, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est de là qu'est parti tout. Voilà. Mm-hmm. J'ai commencé à faire les petits chants, les petites chansons qu'elle a écrites jusqu'à présent, même si ça existe encore au village là-bas. Mm-hmm. C'est de là, les gens m'encouragent. Ah, mais Elvis, tu peux chanter, hein. C'est ce qui m'a motivé, puis je suis en Abidjan. Donc, tu aimes bien ça, un peu les jeunes du village. Effectivement. À quelle occasion? Quand je vois un enfant même qui n'est pas joli, je crée une chanson sur lui, puis ça prend. Hey, il n'est pas joli comme moi. Il a un gros ventre. C'était comme ça, c'était un amusement pour moi. D'accord. Donc depuis, ça a commencé comme donc, ça. Donc tu t'inspirais de tout ce qui était autour tout de toi. Tout ce que vous voyez, on dit le mouton brute là où on l'attache. Exactement. C'est un proverbe Yakuba. Voilà. Donc, mais là, c'est guéri depuis que tu vas les Yakuba. Ils vont bientôt te trouver ici. Non, les Yakuba, bientôt, ils sont attachés. Ouais. D'accord. Et après, ça, c'était juste des, on peut dire, comme on le dit chez nous, des petits amusements d'enfants. Mais à quel moment je t'ai dit, il faut que je fasse de ça un métier? Comment cela a commencé, effectivement? Bon, il faut dire que j'étais d'abord dans mon village. Mm-hmm. Et après, quand j'ai arrêté l'école, parce que mon père n'avait pas les moyens. Par exemple, mon père est décédé depuis... Mon père est décédé depuis... En tout cas, j'étais très jeune pour ne pas décéder. D'accord. Donc, je n'avais pas les moyens pour aller à l'école. Okay. Donc, je suis pas dans mon village maternel pour aller à la pêche. Mm-hmm. C'est là-bas que j'ai croisé mes frères. Et aussi, chantaient aussi mes cousins. Chantaient aussi. Chaque soir qu'on se croisait dans les petits moments de... Tu finiras. Ah, petit qui chante bien. C'est là qu'on a pris contact. Commence à chanter ensemble. Les gens nous apprécient ensemble. D'accord. C'est là qu'elle a quitté l'amour de Vina Bidjan fait pour obtenir une carrière musicale. Donc, les personnes avec qui tu chantais à l'entame de ta carrière, c'était tes parents, c'était tes cousins. Oui, c'est mes cousins. Voilà, c'était pas cousins. Des amis. Non, c'est mes cousins. La Roja et Blackis. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que vous décidez de créer un groupe en créer tant que groupe, tel. En tant que tel, ça n'a pas été facile. Mm-hmm. On a été victimes de moqueries. Tu vois, tout un début est tout difficile. Hein. Exactement. Moquerie. Vous chantez quoi même? Quand vous voyez vos camarades, vous pouvez faire ce qu'ils font là. Mm-hmm. C'est comme ça, un peu. On a économisé plus sur Abidjan. Une autre aventure s'est ouverte. Mm-hmm. Ce n'est pas facile. Et quand vous êtes venu à Abidjan, parce que pour chanter, je ne suis pas artiste, mais je sais qu'on a besoin de producteurs, ça. Tout ça. Comment ça s'est passé? D'abord, je suis arrivé à mon frère, Roja le plus grand, mm-hmm. père à son âme. Nous étions logés au nouveau quartier chez mes parents. Mm-hmm. C'est là-bas nous étions logés. Mais tu sais, l'estomac du village avec l'estomac d'Abidjan, il y a une grande différence. Nous, on mange beaucoup. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Donc, nous sommes arrivés à Abidjan, ça dérangeait un peu. Donc, on vivait en famille là. C'est ainsi qu'on nous dit que nous sommes venus à Abidjan pour chanter. D'ailleurs, ils ne croyaient pas en nous. Mm-hmm. Parce qu'on me connaît. Lui, il a chanté quoi? C'est comme ça que quelqu'un nous a écouté. Et puis, il a apprécié ce que nous faisions. Nous sommes pas dans le studio, on a fait une maquette. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. La personne était venue pour vous aider en tant que producteur? Nous, on cherche un producteur, mm-hmm. en tout cas. Mm-hmm. Mais on a d'abord fait une maquette. C'est quand le jeune a écouté la maquette mm-hmm. qu'il a décidé de nous produire. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Alors, je tiens à expliquer aux téléspectateurs qui nous suivent que, en fait, à la base, Elvis Inspiration Divine était dans un groupe. Oui. Voilà. Inspiration donc, c'est pour divine. Ça qu'il parle de deux autres personnes. Ouais. Donc, ils étaient dans un groupe. Le groupe s'appelait? Le groupe Inspiration Divine. Inspiration Divine. Nous faisions du Yusumba. Voilà. Et aujourd'hui, il se retrouve seul. Il expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais on parle déjà de la base Inspiration Divine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, le groupe a commencé. Oui, mm-hmm. le groupe a commencé. On a fait l'album qui n'est pas sorti. Mm-hmm. C'était un peu difficile. Mm-hmm. Nous sommes revenus encore à la base. Mm-hmm. Voilà. Et nous sommes revenus encore à Abidjan. C'est-à-dire, nous sommes retournés à la base. On est repartis au village. Mm-hmm. Et nous sommes revenus à Abidjan. On ne s'est pas découragés.
Un peu, jusqu'à... On n'avait plus de producteurs. On était livrés à nous-mêmes. On trouvait des bruits à la zone industrielle. Faire d'autres petits boulots. Voilà, d'autres petits boulots. Voilà, c'est comme ça. Un peu, jusqu'à... On a essayé de partir chez T. Joël, que je salue. Le vieux père T. Joël. Bonsoir. Il a été notre premier producteur. D'accord. Voilà, nous sommes partis au DIDIS pour un concours de... Une audition, en tout cas, une grande audition. Mm-hmm. Qui composait au moins 50 groupes. D'accord. Ben, quand notre tour est arrivé de chanter, on a dit notre groupe a fait inspiration divine. Nous, on a mis à l'écart. Elle dit, mais vous êtes des chrétiens? Non, vous êtes des groupements, vous faites. Non, non, on fait un chanteur. Vous avez parlé d'inspiration divine. On dit le groupe, c'est inspiration divine. Mm-hmm. Non, maintenant, vous êtes écoutez, on fait des groupes. On n'a pas dit qu'on ne fait pas de cantiques. Mais quand tu vois nos pieds là, non, tu veux laisser tomber. Mm-hmm. Stiquer partout. Cicatrice va nous tuer. Tellement que Pineuse a fini à nous. Mm-hmm. Mais on savait à qui on croyait. Mm-hmm. Parce que, il faut dire que. On travaillait beaucoup et on avait confiance. Mais déjà, quand on parle d'inspiration divine, c'est parce que vous étiez aussi très croyant. Non. Pas forcément. Sincèrement, actuellement, je suis chrétien, ça je ne mens pas. Mais en ce moment-là, où on s'est fait appeler inspiration divine, on ne savait pas le cas. On ne savait pas pourquoi on a dit le nom. C'est venu comme ça. C'est Dieu qui vous a inspiré. En tout cas, c'est Dieu. Sinon, c'est comme ça, c'est venu. D'accord. Donc, après, les gars nous ont écouté, ce jour, Ismaël Isaac était là, mm-hmm. au studio T, jouait là, au Didis, à Yopougon. Derrière. Bon, il n'a pas dit le nom de l'hôtel, mm-hmm. mais c'est juste à Selmer, là, mm-hmm. au Didis, là. Voilà. Quand on a chanté, quand ils sont nous a écouté, le groupe, là, tu voulais laisser moi les produits. C'est pour ça que Koudou nous a écouté. Il dit les petits, les mettez-les à côté. Il mettait les hors compétition. C'est vraiment dit, ça va, je me chante, me lancer des fleurs, mais peut-être qu'on peut témoigner. On était fort, on était très fort. Mm-hmm. On travaillait. Chaque matin, midi, on répétait. C'était le fruit d'un travail à chaque fois. Oui, on travaillait. C'était chaussé, nous, dans un cycle bois bien, un cycle bois climatisé. Depuis le quartier en 2000. Ah, c'est qu'on voit, elles sont climatisées. Elles sont climatisées. Depuis le quartier en 2000, parce qu'on était loin, on n'était pas trop loin de la forêt, là. D'accord. Voilà, donc chaque matin, midi, soir, on répétait. On a fait une demi-année de répétition quand on a affronté les auditions. C'est seulement dit, nous, on m'a écouté. On dit, vous, là, la coupe, vous n'avez pas dit, là. C'est quoi, un coup de temps, nous a récupéré. Mm-hmm. Et nous sommes devenus des choristes. On faisait le cœur des artistes. D'accord. On a fait le cœur des petits Sako, le cœur de Dicky Jacob, mm-hmm. le cœur de Carl, tout ce qui marchait là. On était quoi en herbe, mais on était déjà positionné. À la lumière. Voilà, exactement. C'était comme ça que ça a commencé. Okay. Donc, il fait un big up à mon papa Koudou Athanase, qui nous a donné aussi un coup de main aussi dans ce domaine-là. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça. Mm-hmm. Et on a fait portable, et puis ça a marché. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile. Hein. Si je veux te raconter ce qui s'est passé, j'ai seulement dit. Je peux dire que non, c'est un film d'horreur même. Mm. Ça fait peur. Parce que là où nous sommes passés pour arriver au portable, ça n'a pas été facile. Mm-hmm. Le parcours était très, très, très difficile. Mais quand tu veux, on dit vouloir, c'est pouvoir. Mais vous n'avez jamais voulu abandonner. Non. Il n'y a pas un des membres qui disait non, c'est bon. Non, il n'y a pas quelqu'un. Vous trois, vous étiez à fond. Donc... Oui, très à fond. Mm-hmm. Très à fond. On était très engagés. Ce n'est pas facile en tout cas. D'accord. Mais non, si Kouba m'a pris feu. Hey. Voilà, étant à la prison civile là-bas, le quartier en 2000, le cycle où nous dormions là, les trucs comme les hautes tensions là, sont coupés, tombés sur notre maison. La maison a pris feu. Avec toutes vos affaires dedans. Avec nos affaires. Mais on a pu sauver les bagages. Mm-hmm. Voilà, on a pu sauver les bagages. Maintenant, toi tu viens à Abidjan, tu n'as pas un soutien, mais tu es enceinte femme. C'était mon cas. Ça ne va pas, tu ne manges pas, mais tu es enceinte. Hey, ils ont chassé enfin des gens, ils vivaient avec elle dans le sucre au bois. Avec tes deux confrères. Ah, mes deux frères. Hey. Non, comment? On t'est serré, mais on. Elle vit aussi, hein? Non, mais c'est comme ça. Okay. Quand c'est chaud, on dit c'est bois qui tombe à tête, gagne place. Donc, c'est comme ça, on a fui, on a pris nos bagages, puis on est allé au Didis, puis nous on a accepté, on a donné au Didis là-bas, puis on a fait notre album. D'accord. Puis quand c'est sorti, Dieu merci, mm-hmm. ça a pris. Et vous avez pu avoir l'argent maintenant pour vous payer des logements C'est seulement de ne pas te blaguer. Mm-hmm. Notre carrière là, non. Vraiment. Mm. Si j'ai dit on a eu l'argent pour nous appeler, j'ai dit de blaguer. On a eu l'argent, mais vous savez pas ce qu'on a fait à l'argent. Mm. Après portable que tu as connu, qui a fait mal dans toute la Côte d'Ivoire, mm-hmm. on s'est retrouvé dans une maison de 11 000 francs. Nous trois, on n'arrive pas à payer maison. Mm. J'étais pas quelque chose. Au quartier qu'on appelle le Vatican, derrière Termine 42. Mais qu'est-ce qui s'est passé et puis. Ça n'a pas été facile. Vous n'avez pas bien géré. Je ne sais pas, mais le morceau prend, mais on n'a pas l'argent. Ça peut exister. Le morceau mousse, c'est-à-dire qu'on dit le morceau, quand on dit une chanson mousse là, ça veut dire que ça joue le côté 5 matins en ligne, le morceau joue en même temps. Nous, on sait que le morceau prend mm-hmm. mais il n'y a pas de guerre, on n'a pas bon manager. On ne vous invite pas. Bon, je ne sais pas si c'est le manager qui s'en charge, mais nous-mêmes, on était déchargés. Mm-hmm. C'est seulement dit, c'était pas facile. D'accord. Donc, c'est comme ça, quand tu es nouveau dans un mouvement, c'est toujours comme ça, on te piétine, on te mange,
ça peut être que tes yeux s'ouvrent. D'accord. Bon. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va regarder un clip des trois du groupe Inspiration Divine. Et on revient retour sur notre plateau. Ouais. L'histoire est vraiment émouvante. Donc, ouais. Il fut un moment où vous vous êtes retrouvés après le grand succès. Oui. Il n'y avait pas forcément la rémunération financière qui allait avec. Donc, vous êtes retrouvés dans des difficultés encore financières. Et il y a quelque chose que j'oublie. Il y a des filles qui étaient au Termin 42, au rond-point, pour nous trouver dans nos Vatican là-bas. Parce que nous, on était à la frontière de Quimbli. Nous, on était au Vatican ici, mais il y a un gros caniveau qui nous séparait à Quimbli. Mm-hmm. Donc, nous, on est ici, puis on va à Quimbli. De toute façon, tu es au Maroc, tu vois, Espagne là. Mm-hmm. C'est comme ça que Quimbli était avec comme le Termin, comme le Vatican. D'accord. Donc, on était ici, comme au Vatican, puis on va à Quimbli, le côté là-bas. Mais en le tout, il y a les ports qui faisaient les déchets là-bas, mais ça sentait mauvais. Mm-hmm. Mais on dormait quand même à côté. Elle fait comment? On dormait à côté. Et à un moment, on s'est habitué. Mm-hmm. Donc les gens quittaient dans les quartiers différents pour venir nous voir. Pour dire, ah, les gars qui ont acheté le portable là, on dit, ils sont dans le quartier, on ne croit pas. Les gens viennent. On est là. On est trois. On dit, c'est le groupe qui est là. C'est vous qui êtes là. Les gens ne croient pas. C'était pas facile. Humiliation, c'est humiliation. Mais on supportait quand même. On avait la foi qu'on allait rebondir. Et vous avez rebondi? Non, on a rebondi là. C'est moi qui ai rebondi. Mes deux là, ils sont plus restés. Dieu les a appelés. Que leur âme repose en paix, mais quelles ont été les circonstances de leur décès? Bon, il faut dire que arrivé à ce moment, c'était peut-être tellement difficile que le grand Roja même qui a créé le groupe, lui, il faisait la navette entre le village ici. Il partait au village, il venait. Donc c'est comme ça, il a commencé à prendre goût du village et puis il a eu une maladie, il est décédé. Mmh. Il est décédé, donc je suis resté avec mon frère Blackis. On a commencé à lutter. Et je dis un grand merci au vieux père Roland Le Benguis, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur. Voilà. Il m'a dit, Elvis, ton morceau, votre morceau portable là, hier il fait le clip, et puis vous allez demain au carré. Le Benguis a fait le clip, il n'a pas pris 5 francs. Là vous étiez deux. Nous étions deux maintenant. Mm-hmm. Donc on a fait portable, il a refait le clip du portable à lancer. Si tu vois même le clip, c'est YouTube même. Mm-hmm. Mâchoire qui est sorti dans le clip là, non, c'est pas la peine. J'ai regardé. Oui, non, les mâchoires vraiment ils sont sortis. Mm-hmm. On a fait le clip. Après le clip, on a fait portable volume 2. C'est le Benguis qui a retenu encore le volume des portables. Mm-hmm. Tout ça pour revenir sur la scène, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'est pendant la promotion que mon frère, l'autre, Désiré, il est décédé. De quoi? Bon, lui, il n'a pas eu de maladie. Hein. On était à l'église, on est venu à la maison. Nous habitions vers le Carrefour CNPS, là. Donc, chaque matin, nous partions répéter. Juste en face de l'église baptiste là. Mm-hmm. Le terrain on appelle les grands terrains où les gars font les veilles de prière là. C'est là-bas nous on répète chaque matin, on fait pour essayer un peu la voix un peu chaque matin. Chaque il est parti là, c'est un peu. À son retour, vers les 15h, il est juste au téléphone comme ça, en train de causer avec une de ses camarades là, puis il est tombé décédé. C'est une maladie, hein. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça. Tu étais avec lui? Non, moi j'étais à la maison. On s'est laissé. On a dit, mm-hmm. Il m'a dit évidemment, mais il y a plus ses claquettes mm-hmm. pour aller me laver. Donc, il a dit, adieu, donne mes claquettes. Et après, les claquettes, il est parti. Il est allé au kiosque à bien Lipton. Et puis après, il est allé au terrain pour aller. On devait aller faire une mission. Il n'est plus revenu. On m'a appelé pour dire, ah, ton frère est couché ici, il m'en va, là, il est décédé. Mmh. 10 minutes après, mon frère n'est plus de ce monde. Hein. À moi que Dieu te fortifie. C'est Amen. Vrai que c'est passé, mais ce n'est pas facile. Ouais. Et que Dieu fortifie leur famille, leurs parents. Ils ont eu des enfants? Oui, ils ont eu des enfants. Que Dieu les soutienne. Vraiment, il y a quoi tout le monde? Alors, après tous ces chocs, à quel moment tu te dis, faut que je me remette la musique? Parce que je pense qu'il y a forcément un temps de latence où tu ne voulais plus chanter, n'est-ce pas? Ouais. Moi, le conseil que je peux donner à tous mes camarades artistes, on peut chanter, c'est vrai. On peut même avoir le succès, c'est vrai. Mais on a quand même Jésus dans notre vie. C'est très important. Et je peux dire tout ce que Dieu fait bon. Mm. Parce que si mes frères n'étaient pas partis là, ils ne seraient pas chrétiens aujourd'hui. Mais il a fallu qu'eux ils décèdent pour que moi ils sachent que sans Dieu, je ne suis rien. Mm-hmm. C'était pas facile. Est-ce que tu n'avais pas la peur de partir aussi? Sincèrement dit, j'ai pas eu peur. Mm-hmm. Parce que d'autres m'ont proposé pour dire, ah Elvis, tes frères sont décédés, il faut aller voir les marabouts. Hein. Mm-hmm. Faut aller voir les fétiches, sinon ton cas, tu es en danger. Hein. Mm-hmm. Mais je n'ai pas accepté. Il dit non. C'est vrai, mes frères sont partis. Mais Jésus il est là. Il va me protéger. Exactement. J'ai eu la foi. Mm-hmm. Et j'ai bataillé dur. Ça n'a pas été facile pour moi. Mm-hmm. J'ai bataillé. Grâce à mon père spirituel. Que je dis un grand merci. Il m'a soutenu dans la prière, dans les jeûnes et prières, jeûnes et prières. Aujourd'hui, si je passe, on me montre du temps pour du voyage vice. Mm-hmm. C'est grâce à ses prières. J'ai pas dormi. J'ai beaucoup prié. C'est ce qui est en train de payer aujourd'hui.
Ok. C'est tout. Et félicitations à toi pour cette très belle carrière. Merci beaucoup. Alors, on va quitter cette note un peu triste. Alors, à quel moment tu as commencé la carrière solo? Solo. Tu as eu un soutien de tes collègues Zouglouman? Il y a quelqu'un qui t'a boosté particulièrement pour te relancer dedans? Ouais, effectivement. Mm-hmm. Je dis merci, un grand merci à Zouran Polo et Kekevara. Mm-hmm. Voilà, dans le temps, j'avais fait un morceau, hommage aux serveuses. Oui, oui. Ah, j'ai fait un morceau, hommage aux serveuses. Ils m'ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils chantent pour les serveuses? Il dit, mais au moins, si ils chantent pour les serveuses, ils savent qu'il y a un soutien. Elles, au moins, elles vont me soutenir parce qu'ils n'ont jamais chanté pour elles. Mm-hmm. C'est du nouveau. Mm-hmm. Donc, j'ai fait un morceau pour elle. Elle se sentit honorée. Si dans chaque maquis, il y a trois serveuses qui aiment mon affaire, imagine le nombre de maquis dans le monde. Ou bien en Afrique, ici même, les pays francophones. Ah, c'est une politique aussi. C'est ma politique, il n'y a pas de producteurs. Personne ne croit en moi, il m'a fait le cœur des gens. Hein. Que ce soit Safari Lobian, que ce soit Magic Diesel, que ce soit Yabongo, que ce soit Molière, tous les cœurs que tu entends là, j'ai fait, moi, je ne sais pas comment il fait, mais travail eux. Donc, on m'a carrément classé pour un choriste. Mais moi, j'avais la foi que. Un jour là. Un artiste aussi, allez, principal. Voilà. Parce qu'un choriste, c'est un artiste. C'est un artiste. Tu voulais devenir un artiste. Un artiste, principal. C'est vrai. Quand tu prends goût des cœurs, tu peux plus j'en dire. C'est fini. Parce que tu fais que 2, 3, 4, tu as peut-être 150 000 francs. Mais s'il y a l'argent dedans, c'est ce que je voulais demander. Oui, ça m'a beaucoup soutenu. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire moi. Je ne suis pas venu bien pour être choriste. Je voulais être artiste. Je veux chanter, puis on va écouter mes propres trucs. Il y a quelque chose en moi. Je sais que si je mets en valeur là. Ça va prendre. Voilà. Donc, moi, si je croyais à mon mouvement, c'est comme ça. Et je dis merci à Kirivara. Quand il a écouté mon morceau, au moins au service, il m'a appelé. Il dit, Elvis, il faut venir. Je suis allé chez lui à la maison. Il m'a dit, il faut faire Zouglou. Il dit, ah, mais il n'a pas fait Zouglou, il m'a fait autre chose. Il dit, fais Zouglou. C'est lui qui m'a imposé le Zouglou, puis il m'a fait Zouglou. Donc, mais à mon la premier base, producteur. C'était Zouglou que tu faisais, non? Non. Je faisais Zouglou, Yusumba. Il faisait Yusumba. Yusumba, ah, voilà. Oui, avec Espérance. Mais, tu sais, un choriste, un requin de studio, à force de côtoyer beaucoup de styles, ça fait que toi-même là. Ça dit, ça te travaille au fait, ça te fait créer nos styles. Donc, quand tu écoutes le morceau serveuse, la musique est un peu naïga, mais elle est testée dedans. D'accord. Donc, c'est dans ce style-là que je voulais qu'on puisse l'avancer. Et qui vraiment dit non, tu fais du Zouglou. C'est là, il fait Yikeo, qui a été produit par 18 Avis Production. D'accord. Coucou Kejevara, je t'attends ici, mon grand frère. On t'attend ici. C'est un bon grand frère. Donc, c'est comme ça, c'est parti. D'accord. Et puis, on a fait Yikeo. Yikeo a fait son bonhomme de chemin. Ils ont commencé à me connaître maintenant un peu, ils sont avec lui. Et puis après, j'ai tout compris. Là, j'étais avec Anou Jawa maintenant. Ok. Voilà. Tu as quitté 18 avril? Oui, oui. Quand le contrat est fini, on s'est laissé tranquillement. Puis ceux qui savent, qui va être un artiste, il a pris sa propre carrière d'abord. Voilà. Donc, on s'est laissé. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et je suis allé, j'ai Jaguar, on a signé. On a commencé à travailler ensemble jusqu'à travailler Jaguar, que j'ai fait tous mes titres. Ton moussé. Aujourd'hui. Voilà. Et tu es un très bon artiste. On te souhaite encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors, on va continuer l'histoire, mais avant, on va passer à notre première rubrique qui s'appelle L'un ou l'autre, Jingle. Alors, Elvis, ici, je vais te poser des questions pour te détendre un peu parce que j'étais un peu triste tout à l'heure. Ouais. Voilà. Je te remets ton jambe. Ouais. Et je te pose une question, tu choisis une seule réponse. Donc, la première question, aloco ou frites? Bon, j'aime pas trop aloco, j'aime pas frites. Mais il faut choisir entre les deux. Tu n'aimes pas trop, mais si on te donne aujourd'hui, tu viens ici à Ivoire TV, je te reçois et donne à l'eau et donne frites, tu vas manger quoi? Tu mélanges les deux bien. Il y a même un papa. À papa, non. Tu as droit à lui sur l'assiette. Non, la locomotive. Ah, la locomotive. Oui, c'est la locomotive qui avait motivé en fait. D'accord. Deuxième question. Tu as beaucoup plus TikTok ou Facebook? Avant, c'était Facebook. Hein. Moi, TikTok, moi, je vois ça en jeu. Hein. Moi, je me dis, ce n'est rien. Mais quand j'ai découvert ça, là, c'est TikTok, mais. Non, TikTok là, c'est propre. Non, tu danses dessus là-bas. Non, je ne fais pas trop, j'ai pas trop de vidéos. Hein. Voilà, pour le moment, je n'ai pas trop engagé en commun. Je suis là-bas. Tu regardes beaucoup. Ouais, regarde beaucoup les voilà. Ok. Nourriture encore. La sauce préférée des guérillas, c'est quoi? Beimwe. Bawen. Bawen. Ouais, en anglais, c'est beimwe. C'est quoi? C'est les feuilles du manioc. En fait, mais c'est un foutou. Pas trop foutou. Maman, c'est quoi? Riz. Eh, riz. Riz ouais. Donc, riz, bawen, ouais. Ou bien. Plé. Tu connais plé? Je connais à toi aussi. Est-ce que maïe là même? Ou bien plé. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Plé ou bien? Ri et baouin. Plé un peu, mais c'est un foutou, non? Oui. Plé est un foutou. Non, moi, je préfère le baouin. Tu veux baouin? Ouais. Moi-même, je suis un promoteur de baouin. Un promoteur même? Oui. C'est doux. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais il fallait venir avec ça ici, aller goûter. C'est vrai, la prochaine fois. Comme tu veux faire la promotion, là, qu'est-ce que tu te déplaces? On peut te promouvoir. La prochaine fois. La prochaine fois, donc, ouais. D'accord. A checker poisson des femmes ou bien garba?
Gaba, ça nous a trop aidé. Hein. Attends, mais Gaba, vous choisissez ça par reconnaissance ou bien? Non, on mais, pas non, vous mais, avez. Non, mais Gaba même là, on ne peut pas laisser. On ne peut pas. Non. C'est trop doux. Même le président de la République, Mangaroua. Lequel? Le président qui est là. Rap, il voit au coupé décalé, même s'ils ne sont pas tes genres musicaux. Il faut féliciter le coupé décalé. Hein. Mmh. Bah, ils sont là il y a longtemps. Mmh. Et aujourd'hui, là, qui parle de rap, il voit. Fait un clin d'un coupé décalé. D'accord, parce que c'est parce qu'ils ont fait un mélange. D'accord. Donc, coupé décalé là. Coupé décalé. C'est... Après, zouk ou rumba? Moi, j'aime zouk. Hein. Mmh, zouk. J'aime, ouais. J'aime l'amour, on dirait. Non, non. Ouais. Peut-être que tu as enceinté la fille là dans Sibobo. C'est que tu aimes l'amour. Ah, ah, ah. Oui, mais attends, il y a longtemps. Hein. C'est assez vite. J'aime le zouk. J'aime le zouk. Ouais. D'accord. On dit zouk, c'est pour les lovers. Ouais. Donc, ouais. Et rumba là aussi là. Mais rumba, c'est pour ça qu'on joue des. Non, rumba là, quand tu es là-bas, tu n'es pas trop clair aussi là. Rumba là, ils sont trop roux, ça fait peur. Coucou Santiago, rumba là c'est ta musique. Et enfin la dernière question, gourmet ou galère? Bon, il y a des gourmets aussi là, on est bien dedans. C'est-à-dire, hein. Tu es dans le gourmet, mais tu as ton argent. Mais tu es dans le gourmet, donc gourmet est mieux. Ah, gourmet est mieux parce que c'est... Tu sais que si tu es en galère, mais tu as un gourmet. C'est vrai. Non, la galère même, c'est un logiciel de gourmet d'abord. Galère même là, ça comprend gourmet. Il y a tout dedans. C'est mieux, faut préférer gourmet. Tu as un peu ton argent. Si tu veux pleurer, tu vas pleurer. Tu prends tes bébés et poses tes yeux. Ça va finir. Alors, c'est tout pour cette rubrique l'un ou l'autre. Merci de t'être prêté au jeu des questions. Merci. On va revenir sur ta carrière solo. Ouais. Bon, le titre qui me marque personnellement, c'est le titre Au paradis. Mm-hmm. Alors, dans quel état d'esprit tu as composé cette chanson? Il faut dire que la personne qui m'a inspiré même pour faire cette chanson, c'est Didier Arafat. Ah! Didi Arafat. Repose en paix, lui. Oui, qu'il repose en paix, que son âme repose en paix. Il faut dire que sa mort nous a touchés tous. Mais moi, ça m'a fait mal. Mm-hmm. Parce que cet enfant, il y a quelque chose en lui qui n'a pas pu exploiter, puis il est parti. C'est ce qui m'a plus inspiré. Il dit, mais pourquoi se chanter pour lui seul? Oh, pourtant, là aussi, d'autres artistes sont partis. Mm-hmm. Papa, il fait le Milan de beaucoup d'artistes sont partis pour faire ça. Il y avait aussi l'hommage à tes frères. Oui, oui, à ma frère. Bien sûr. C'est Yorobo qui m'a plus inspiré à faire cette chanson-là. Et bon, enfin, c'était une de tes chansons aussi qui a le plus moussé. C'est ça même qui m'a révélé même. Au paradis là, parce que nous tous, moi j'écoutais, tout le monde écoutait avant qu'on sache que c'est Elvis, l'inspiration divine. Ça passait un peu partout. Oui, oui. C'était venu à point nommé parce que tout le monde était dans le deuil, dans la mélancolie et tout. Mm-hmm. Mm. Sinon, des chansons quand même, ils sont bien. Même lui comme ça. Mm-hmm. Oui, c'est bien. Même lui là, bon, même lui ça prie. Hein. Mm-hmm. Bon, paradis en tout cas, comme c'était à faire des Yorobo, tout ça là, donc ça plus pris. Ça prime. Voilà. Ça t'a fait voyager. Oui, ça m'a fait voyager. Est-ce que tu as véritablement connu le succès avec cette chanson? Oui, le succès auquel tu t'attendais. Oui, il faut dire que le morceau est sorti en temps de coronavirus. Mm-hmm. Voilà. C'était pas trop. C'est sorti en temps de coronavirus. Mm-hmm. Le morceau a marché. Il faut dire à tout le monde, c'est Paradis qui me fait manger. D'accord. Jusqu'à présent, Paradis. Mm-hmm. Avec mes petits morceaux à côté, les guéris. Mm-hmm. Je voyage un peu partout. Mm-hmm. Voilà. D'accord. On va regarder Paradis pour vous rafraîchir la mémoire et on revient. Retour sur notre plateau. Alors, c'est une très belle chanson, même si elle est triste, mais vraiment, c'est une chanson... Parce que tout le monde a perdu quelqu'un dans la vie. Tout le monde a perdu quelqu'un. Donc, cette chanson te fait penser aux personnes qui nous ont quittés un peu tôt. C'est ça. Et félicitations pour cette chanson. Parce que c'est vrai que tout le monde... Beaucoup d'artistes chantent un peu la mort et tout, mais là, tu parlais plus du paradis, ils vont où. Mmh. Vraiment, c'est un test qui est fort. Et félicitations pour ça. Donc, j'ai profité de cette occasion pour remercier... Mon petit frère Willy Bénédiction. D'accord. Parce que c'est nous deux qui avons composé cette chanson-là. Ah, voilà, il m'a donné un coup de main dedans aussi. Mm-hmm. Donc, je profite pour lui dire merci. D'accord. On m'a beaucoup soutenu. D'accord. En parlant de Willy Bénédiction, est-ce que tu t'entends bien avec tous tes confrères du Zouglou? Moi, je suis le fologo du showbiz. Hé! Hey. Voilà. Loué! Une histoire, personne. Uh-huh. Si tu peux me critiquer, joue ton rôle. Mm-hmm. Si tu peux parler bien de moi, joue ton rôle. Mm-hmm. Mais moi, je fais ma part. D'accord. Si tu es en studio, que tu as bien de moi, Elvis, même donner un coup de main. C'est quoi que je peux te donner là. Mm-hmm. Je te donne petit. Ce que tu me donnes là, je prends et je m'en vais. D'accord. Je c'est parle très pas. Bien. Sinon, pour dire que non, je suis en clash à quelqu'un, mm-hmm. je suis en clash à personne. Mais vu que tu t'appelles Elvis Inspiration Divine, il faut que ton comportement montre la divinité dans ta vie. C'est vrai. C'est ça, non? C'est vrai. Donc c'est la suite logique des c'est choses. C'est vrai. Au fait, je ne peux pas dire que tu es un dieu et puis tu n'aimes pas l'âme. Non. Ah. Je ne fais pas l'âme pour toi. Je ne prenais pas de God. C'est vrai, mes chansons ne parlent pas de Jésus, c'est élevé, ça t'en terrassé. Mais dans mon comportement, les gens doivent être convertis. Voilà. Je dis, c'est levé, ça toi, quoi. T'es raciste. Non, tu chantes, c'est vrai. Mais est-ce que tu es un comportement exemplaire. C'est ça. D'accord, c'est le plus important. Oui, c'est ton témoignage. T'as mal de comporter, mais c'est lui, c'est pas un chrétien même. Uh-huh. Lui, là, on sent que, voilà, c'est ça. Donc, tu veux que tes actes parlent de Jésus à la place de ta bouche. C'est ça. C'est une très bonne initiative aussi. C'est quoi mieux comporter.
D'accord. C'est pour ça que j'ai toujours donné conseil à mes camarades. On peut être dans le showbiz et puis marcher avec Jésus. Voilà. C'est pas contradictoire. Non. Les deux peuvent se faire ensemble. C'est la meilleure façon de réussir son showbiz. Mais si tu es artiste, mais quel artiste m'excuse beaucoup. Mais nous, on est artiste, nous, on est déjà gâté. Quand tu es artiste, déjà, on te classe, on est celui-là. C'est un coureur de jupon. On n'est pas bien. On peut être artiste et puis on peut avoir une bonne vie. Voilà. Et donc, avoir une bonne vie, même, ça t'ouvre les portes même du succès. Du succès. Donc toi, tu as une bonne vie. Oui. Donc on va faire un coucou à ta femme. Oui. On peut dire son nom. Dis son nom. Mais faut dire à la saluer. Bon, son nom de baptême, c'est Elisabeth. Mais son nom de famille, c'est Kwaku. Kwaku Aou Sabine David. Ah, c'est pas Roua qu'elle a. Ah, la grande soeur, Chateau-Marie qu'elle est. Puis les artistes, à quoi on dit de saluer leur commune? Non, mon cher. Non, c'est qu'elle sait, je sais. Lui, il dit Elisabeth, nom de baptême. Et puis Kwaku Aou Sabine David. Je suis parti à une émission, l'autre côté, je sais pas si je peux dire le nom de la chaîne. Non. Donc, on va pas publiciter. Quand j'ai fait l'émission, et ils m'ont demandé, mais Elvis, mais tu dis le nom de ta femme. Et non, actuellement, je suis marié, je suis en casting, juste pour jouer la comédie. Elle n'a pas. Mais c'est moi-même. Aïe, toi-même, faut voir. Elle en casting, you know. Donc, tu as réparé le tort. Il répare le tort. Coucou. Alors, d'accord. Ce que je voulais demander, est-ce que tu as vécu une histoire particulière? J'étais avec Jaguar, Arnaud Jaguar. Au temps du coronavirus, là. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas Moro même. À ce moment-là, j'étais au Maroc. Je suis arrivé. Là, le Maroc, là, est fini. Donc, Jaguar m'a appelé, dit, ah, Elvis. Viens en partie, il sort de faire le passeport d'un de mes petits là. C'est un petit brou, mais alors on fait son passeport, puis bon, on va passer plus le temps ensemble, on fait des planifications ensemble. J'ai trouvé celui-là à la maison, puis on est venu faire le passeport quelque part ici là. Mais il n'a rien, moi n'ai rien, mais le petit est chargé d'entendre tout le monde pour le porter comme les cache-nez. Cache-nez là, lui il a tout le jet. Oh, l'enfant est chargé même. Ah, on demandait, mais c'est lui qui vendait les masques là. Je dis. Jaguar assis à côté. Moi, je suis assis à côté. Maintenant, tu vois les sièges de la voiture, là, au milieu des sièges, là. Il y a moins 4 millions. Non, petit, là, il n'est pas gentil. Hein. Il y a les 4 millions superposés comme ça. C'est là. Et puis, il est rentré là où on fait les passeports, là. Puis, Jaguar, on a un regard. On a le regard sur le gars comme ça. Jaguar, on t'essaye. Il sait qu'il va nous blesser. Hein. Il va nous donner pour nous. Il dit oui, quand il va donner, Au moins, il donne. Dans 100 000 là, tu apprends 40 000. Hein. Ah, j'ai entendu, oh, tu prends 5, il prend 50. Là, je vous n'ai pas quoi. On a déjà 40 000. Oh, le petit a fini de faire des trucs, il est rentré de la voiture. On partait. Donc, nous, on attend le résultat. Quand on se dit au revoir là, il faut qu'on soit blessé. Par contre, le petit voulait que non, j'aie le malade pour le cadrer un peu dans sa carrière là. Donc, on vient, le petit, dans toute cette fortune là. Demande-moi, il y en a combien déjà? Combien? La dizaine. 10 000? Non. Ah, le petit. Mais c'est vrai que c'est son âge. Je n'ai pas obligé de vous donner, mais pourquoi il fait ça? Jaguar, il m'a donné la dizaine. On a tapé bien comme ça, nous deux. Il dit, Jaguar, il dit, ouais, c'est chaud. Hein. On fait comment? Je garde bien avec moi. Tu as gardé comment? Donc, nous aussi, on est dans la villa. Il faut accrocher ton caleçon là où ta mère arrive. Il y a un carbat, un coin d'artiste qui fait. Qu'on appelle l'air où on dit hôtel Bellecote là. Il y a un coin d'attaquer là-bas là. Oui, on connaît le coin, on ne m'a pas dit, mais on connaît. Oui, là-bas là. Les servis. Pas les petits poissons. Ça qui servent, elles sont en BTS. Aïe, la femme qui fait le piment là, elle a un doctorat en chimie. Oh, Seigneur Jésus. C'est-à-dire, on est arrivé pour venir manger là. Au lieu de partir, mais un garba dans les garba de l'étoile. Vous avez 10 000. On ne s'aime pas, hein. Maintenant, les gens ils ont vu comme les Jaguar. Jaguar. Les gars prennent photo à lui. Yorobo, Daiji. Tu vois, tu es dans le temps où tu as décédé là. Donc, il a connu. Tout le monde se fait opérer. Oui, les petits coxés là. Viens avant de partir, regarde moi. Eh Dieu. Il y a les Jaguar, on a qu'à partir il y a maintenant. À tes fans là. Après, qu'elle est là. Bah, la vie est difficile. Si tu veux faire un bénévolat là-haut, faut pas de les femmes là, elles sont venues de boire à Tchéki là. À Tchéki là, c'est que c'est quitté au laboratoire même. Viens filtrer comme ça. Les poissons là-même, qui savent que c'est qu'il est dans la vitre. Attends, vous comptez sur quoi-même? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. On a fini de manger à Kéké là. On a mis une petite feuille comme ça. Ce qu'on a consommé là, non? Ça va dans 6 000 et quelques. Au moins, vous pouvez payer. On peut payer, mais on va quoi à la maison? Il faut à la maison, les mains chargées. C'est pour après là qui est difficile. Les femmes sont là, ils sont là, ils attendent. Donc, on finit. La femme donne la monnaie. On dirait qu'il y avait des billets de mif. Il y a des filles qui font ça qui servent dans le coin. Hein. Elle est arrivée. Elle dit, Jaguar, toi là, moi j'ai pas 1000 francs dedans, hein. Elle a pris 1000 francs. Genre, elle passe en jeu. Mais Jaguar, qu'est-ce qu'il y a?
ton nom nous met dans le problème. Hein. Il reste 2500, on fait comment? Il dit non, non, non. Laisse tomber. On va gérer ça, c'est rien. Il est serein. Il est serein. Les petits coxés là, mm-hmm. ils ont pris 5 euros à nous. Il reste 2000 francs. Moi, je dois quitter là-bas par le Dokui. Du Dokui. De là-bas jusqu'au Dokui là. Si il a un pays, quand il a un pays au moins là. Mm-hmm. C'est au moins 1500 francs, mais un 2000. Là, infini. Mm-hmm. On fait comment? Bon, il peut faire marcher ce deux. Mm-hmm. Marcher, ça dit marcher. Mm-hmm. Pour qu'il vous verrez, il y a maison. C'est pas une petite chose. Il est pas le meilleur, il est ah! Chaque fois, on fait comment? Il dit, ah, Joe, bien, on divise ça. Hein. Mais les coxés sont là. J'avoue. Et c'est parce qu'on est en train de durer. Donc, de coin là jusqu'à chez lui, on a marché, on est à la maison. Mais on a su les calculs là. Mais c'est 2000, vous faites 1000 francs, 1000 francs. Mais si vous prenez 1000 francs, je m'arrive à mes brunes à manger. Oh, pourtant, ça coûte de l'année infinie. Mm-hmm. Donc, on fait comment? Donc, t'as pas mal aussi. Non, mais j'ai mal à checker aussi, mais avec des pleurs. Parce que c'est ce qu'il souhaitait. Quand tu n'as pas l'argent, va dans les petits coins. Mm-hmm. On a un seul billet qu'ils ont retiré dans des millions. C'est dans un coin qu'on s'en mangeait. Le petit mec que vous avez accompagné là qui est méchant. Non, il l'a eu. Mm-hmm. Il va jamais oublier ça. Il a vu l'argent là qu'on connaît. Il n'a pas dit chèque. Il dit voilà, l'argent a cru. Mais c'est pour vous faire quelque chose. Le grand Jaguar, 10 000 francs. Et puis, il sait ce que j'avais fait. Qu'est-ce qu'il a donné à Jaguar? Ah, il attrape ça là. Genre, il ne fait rien à savoir. Ah, lui, il est trop grand. Et le petit là va suivre les biceps. Mais son âme est sur moi. Donc, c'est là comment ça s'est passé ce jour-là. Mais comment tu as fait finalement? Non, on a fait guerre. Et Jaguar, lui, c'est un agnier. Mm. On a divisé le guerre. Mais comment tu as fait pour rentrer? Comment tu as fait pour rentrer à la maison? Manchester, s'il te plaît. Rentrer à la maison. T'as pas dit que tu marches pas? J'ai marché. Non, c'est comment ça s'est passé? Comment ça m'a marqué? D'accord, après cette très belle histoire, on va passer à notre deuxième rubrique, mode et astuces. Mode et astuces, jingle. Aujourd'hui, on va parler des lèvres sèches et gercées. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les lèvres qui se cassent un peu, les lèvres qui sèchent vite, voilà. Comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Alors, je vous donne 5 remèdes grand-mère. L'huile de coco. Donc, l'huile de noix de coco, c'est un émollient, une substance qui permet de relâcher les tissus, qui hydrate la peau. Donc, selon une étude récente, elle peut renforcer la fonction de barrière cutanée, offrant ainsi une protection supplémentaire aux lèvres. L'huile de coco présente d'autres avantages pour les lèvres gercées, notamment ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Pour faire, on utilise un coton-tige ou le doigt propre, on lave le doigt et puis on applique délicatement l'huile de coco sur les lèvres et vous voyez que vos lèvres seront plus belles. Ensuite, le miel. On connaît tous le miel pour ses différentes vertus, n'est-ce pas, oui. Elvis? Tu oui. sais que le miel, c'est quelque chose qui permet, quand tu prends le miel pour la gorge, oui, pour la toux, pour la toux, voilà tout ça. Et le miel aussi agit pour les lèvres. Mm-hmm. Donc, c'est la même utilisation. Tu prends un peu de miel sur ton doigt, puis tu appliques sur tes lèvres. Mais je sais que ça sera difficile de résister à la tentation de laver les lèvres. Mais si tu veux que tes lèvres soient belles, il faut résister. Après, il y a l'huile de ricin. Je sais si tu connais l'huile de ricin. Mm. Ça se vend en pharmacie. C'est très bon pour les cheveux, pour la peau. Voilà. Et on utilise aussi ça, excusez-moi, on utilise aussi ça pour les lèvres, c'est le même processus. Et enfin, des tranches de concombre, le concombre qu'on mange là. Mm-hmm. Souvent, le concombre aide, dans l'émission passée, j'ai parlé des anti-cernes, on met le concombre pour les cernes et tout, ça aide aussi pour les lèvres, voilà. Donc, tu prends le jus de concombre, tu peux mettre sur les lèvres, ou même les tranches, tu peux frotter délicatement sur tes lèvres, ça va aider les lèvres qui sont cassées, surtout en période de froid et d'amarton. Mm-hmm. Actuellement, on constate que le temps est assez frais, il fait un peu froid, façon, voilà. Donc, on peut utiliser ça pour les personnes qu'on élève sensibles. Et quand il va faire l'armaton aussi, on peut utiliser ces petites astuces-là pour avoir de très belles lèvres, surtout pour mes chéries femmes-là. Pour que vos gars-là ne disent que c'est quoi ça? Tes lèvres-là sont sèches, sèches comme ça. Tu mets ça, tu utilises ces astuces et tout sera parfait. C'est tout pour cette astuce. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres astuces. C'est bon, Elvis? Qu'est-ce que tu penses de cette astuce? C'est bon, non? Non, c'est bon. Ça a te servi ou pas? Oui, c'est bon. Ça a te servi. Moi, souvent, quand je prends le miel, là, c'est pour essayer de... C'est pour ta voix. Oui, les artistes, vous utilisez beaucoup. Souvent, ça va être cassé quand tu prends mm-hmm. ça arrive à la voix. Mm-hmm. Et c'est très bon, hein, le miel, oui, même oui. pour la toux, pour la grippe et tout. Alors, on va regarder, comme dernière étape, on va regarder 3 photos et tu me diras ce que tu penses de ces personnes. D'accord. Première image, tu vas regarder l'écran. Ah, ok. C'est grand Arnaud Jaguar. Quelqu'un qui a cru en moi. On a parlé de lui tout à l'heure. Ouais, c'est quelqu'un qui a cru en moi. Et lui dit un grand merci. Mm-hmm. Même si actuellement nous ne sommes pas ensemble, mm-hmm. si j'ai eu des mots qui l'ont frustré, je lui demande pardon. Mm-hmm. C'est vrai, c'est un petit frère, mais il faut dire que Jaguar a cru en moi. Au moins tout le monde ne croyait pas en moi. Il a eu la foi en moi. Il m'a donné un coup de main. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je lui dis un grand merci. S'il y a eu des mots qui l'ont frustré, qui l'ont touché,
moi, je lui demande pardon. Mm. De toutes les façons, il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Voilà, mais ça ne veut pas dire que non, nous sommes déchirés définitivement. Il reste un petit frère et moi, je reste son grand frère. Et je suis comme son conseiller, je lui donne beaucoup de conseils. Voilà. Donc, je lui dis un grand merci et que Dieu le bénisse dans ce qu'il entreprend. Amen, ensemble. Amen. Voilà. Deuxième image, tu regardes l'écran. Ah, c'est mon frère Blackis. Vraiment, si aujourd'hui Elvis a changé de comportement, si aujourd'hui Elvis a donné sa vie à Dieu, c'est à cause de ce type-là. Parce qu'il m'a aussi éduqué. Il m'a aussi éduqué aussi. Il m'a inculqué des vertus aujourd'hui qui font de moi Elvis. Parce que lui était plus attaché à Dieu que moi. Mais c'est après son départ qu'il a pris conscience que il était bien pour moi de suivre Dieu. En tout cas, que son âme repose en paix. Voilà. Le jour que j'ai attrapé mon premier trophée au Prumut, ça seulement dit, c'est son image qui passait beaucoup de ma tête. Parce que ce type-là, c'est un grand compositeur. Voilà. Frère, que ton âme repose en paix. La lutte continue. On a tout dit là. Que Dieu soit loué. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Et enfin, on regarde la dernière image. Maman Sophie Kouadio, la mère des mères. Ouais, maman Sophie Kouadio, je te dis un grand merci aussi parce que tu es une dame, tu as un grand cœur. Il faut dire que tu as un grand cœur. Tu es une maman, tu as un grand cœur. Elle est comme, elle est tout. Elle représente tout pour moi. Une maman qui prend l'artiste comme son enfant, c'est rare. D'une gentillesse inexplicable. Elle est très, très, très gentille. Mais elle seulement, les moments où on est tordu, elle n'aime pas ça. Elle est comme ça. Voilà. Donc, maman, on est ensemble. C'est que tu as commencé pour ton fils là. On est tout dedans. Voilà. Si tu veux, on va arriver là où on doit arriver là. On arrive là-bas. Tu restes une maman pour moi. Et puis, Dieu n'a qu'à donner la longévité. C'est vrai que maman n'est plus. Ouais, mais toi, tu es une maman. Voilà. Tu es la mère des artistes. Juste ton fils. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait pour moi aussi. Maman, on se dit et on sera tous ensemble. Ciao, ciao. Que Dieu te bénisse, maman. Alors, c'est tout pour les images. Tu parlais tout à l'heure de Primoud. J'allais en venir. On parle de distinction. Ouais. Ça a été ta première distinction? Non. Non. J'ai été nominé au Primoud. Je peux dire quatre fois, ou trois fois comme mais ça. Mais c'est la première fois que tu as reçu le Primoud. Oui. C'est ça. Donc, c'était en 2021. Dire. Voilà, oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là? C'était fort. J'ai fait mes jouets les bêtises quand même. Yeah. J'ai fait pleurer. Ouais. C'est pas Bétika, c'est moi qui pleure. C'est pas tata Bétika, c'est moi qui pleure. Non, mais la meilleure. Au fait, elle doit faire son prix de pleurs. Parce qu'elle, si elle a quatre spectacles, elle doit pleurer quatre fois. Non, c'était fort que moi. Oui, c'était fort que moi. C'était pour toi la reconnaissance voilà, du travail. C'était ma première fois de recevoir un prix. Ça m'a beaucoup touché. Même si le prix a été, même si mon prix a été combattu, des gens ont dit dans les coulisses qu'Elvis ne méritait pas le prix. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Voilà. Quand vous écoutez mes chansons, là, je suis en train de me lancer des fleurs. Mais quand vous écoutez mes chansons, t'as dans mon téléphone et vous dites qu'elle ne mérite pas le prix. C'est pas un problème. Je suis qui dans le Yusumba parler dans le Zouglou. Mais est-ce qu'un Zouglou qui est dans le Yusumba peut venir dans le Yusumba? Question. Moi, je quitte dans le Yusumba, puis même dans le Zouglou, et puis il y a un trophée. Un nom comme ça, là, on doit l'encourager. Voilà. Et la plupart des gens qui ont compagné mon trophée, c'est des gens que j'ai beaucoup aidé. Mais c'est Dieu qui est fort. De toutes les façons, la lutte continue. On espère que tu auras beaucoup d'autres trophées encore. Non, mais il faut lutter pour ne pas lutter par la lutte. On est dans la lutte. Il a les vrais proverbes. Alors, la dernière question avant de passer à la rubrique où tu vas chanter, nous montrer ta belle voix. Pourquoi tu t'appelles le guéri étoile? Non, pas guéri étoile. Guéri luxueux. Guéri luxueux, pardon. Ouais. Pardon, guéri luxueux. Pardon. Non, c'est ma chanson qui est intitulée Guéri luxueux. Le guéri, il est luxueux. Mais nous-mêmes, on te surnomme Guéri luxueux. Parce que tu as intitulé ta chanson Guéri. Donc, on te surnomme Guéri luxueux. C'est vrai, Guéri luxueux, c'est vrai. Donc, pourquoi on te surnomme comme ça? Il faut dire le guéri, c'est un faroteur. Oui, le guéri, non. C'est sa nature. Un guéri qui a l'argent, un guéri qui n'a pas l'argent, puis il va cacher. Non, si un guéri a l'argent, ça va se savoir. Donc toi, si tu as l'argent comme ça, tu allais venir travailler sur moi. Aujourd'hui même, toi, quand on s'est dit, je vais donner 5 000 francs. Oh,
tu on peut recevoir les artistes comme tu ça. Tu seras dans la cinquantaine, t'inquiète. Oh, tout de suite là, non. Tout à fait. Oh, il dit, Junior, est-ce qu'on peut recevoir les artistes comme on ça? On dit un guerrier luxueux. On dit un guerrier luxueux, vous dites que quoi. Et les gens, ils regardent l'émission, ils vont me demander ce que je me dis. Ils vont te demander en tout cas. Hein? Ils vont te demander. Faut pas que tu me fasses comme le bétilé. Non, t'inquiète. Tu seras dans la cinquantaine. Donc, ça pour vous dire que le guerrier, il est très généreux. Voilà, le guerrier, quand tu déconnes, il n'est pas hypocrite. D'accord. Du tic au tac, c'est que tu as dit en même temps, tu dis en même temps. D'accord. Voilà. Et puis quand il est quelque part, il veut qu'on sache que c'est lui. Quand il a l'argent, bon, toi, tiens, on a dit c'est lui, il est là. Voilà. D'accord. Quand il est dans les coins, en tout cas, c'est les bluffeurs, ils sont nés comme ça. Ok. Voilà, le guerrier. Donc, quand vous et puis les bêtés, même, il y a une petite concurrence. Mais les bêtés, même, sont comme ça aussi. Les bêtés, ça, c'est ancien. Ce sont des petits. Ancien testament. Ce sont des petits joueurs. C'est fini, ça. Le guerrier, actuellement, le guerrier, les Yacoubas sont en train de lutter, les Yacoubas sont en train de lutter, les guerriers. Mais les guerriers sont toujours là. Bon, je profite même pour dire merci même à mon jeune frère, Sérédier, qui m'a donné un coup de main sur le morceau guéri luxueux. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Tu vois, il a été le seul guéri qui a pu convertir sa femme en guéri. Le guéri, il est fort. Converti en guéri. Chante en guéri. D'accord. Coucou, donc, gros frère Sérédier. Voilà. Vraiment, donc, il t'attend aussi ici, parce que tu es une star. Voilà. Une star des guéris. Un grand respect pour les guéris. Voilà. À partir d'aujourd'hui, il va recéter les guéris. Surtout que tu vas me donner 50 000. Non, la cinquantaine, t'inquiète. Il va recéter les guéris. Alors, la bonne chose ne tue pas longtemps. Ça, c'est toujours la phrase. Quand vous entendez, vous savez que l'émission est déjà finie. Est-ce que vous êtes des enfants? Et pour finir en beauté, le guéri luxueux va faire un atalakou spécial. Il va chanter parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux. Donc, la rubrique « Ce que tu sais faire », jingle. Bon, allez, nage dans l'eau, dans un champ de ganga, mille voilà, oh, l'amour au zolanga, vivre la kbembri, ne veut pas dire maison infinie. Mais c'est les moyens qui me manquent, voilà pourquoi je dors dans barak. C'est vrai que Gmenta est nogo, mais là-bas au moins, je suis un puissant mongo. Le héron fréquente les lieux sales, mais il a toujours son eau de javel pour blanchir son manteau. Mille valao, l'amour au Zolanga. Une Côte d'Ivoire sans guerreau, c'est comme chanson de Dadju sans Ohoa. Ils vont au paradis, yeah, paradis, mais il y a quoi là-bas, paradis, yeah. Et puis ils s'en vont sans nous, oh, wow. Attends donc, il y a conseil là-bas. Donc c'est comme ça, le cas est revenu. Venu chercher Arafat Digué. À notre grande surprise, Erickson le Zoulou, qui n'était pas cité, a jampé aussi. Parce qu'il aurait appris que le cachet du conseil était de 50 milliards paradisiaques. Pourtant, 1 milliard paradisiaque peut acheter le monde. Donc, imagine son 50. Ils vont au paradis, paradis. Mais il y a quoi là-bas au paradis? Zouglou. Sei. En tout cas, tu as une très belle voix. Merci beaucoup d'être venu. Merci encore pour ta présence sur notre plateau. Et on espère te revoir dans beaucoup, beaucoup d'événements. On espère que vraiment ta carrière va faire encore un boost. Merci et que beaucoup. Tu iras de gloire en gloire. Bientôt, Yacouba. Et vous, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne, même canal 209. Bye bye.